Il y a quelques mois, Emmanuel Philibert de Savoie a lancé son propre business aux États-Unis. Celui que l'on surnomme le prince de Venise a ouvert son food truck. Qui l'eût cru? Emmanuel Philibert de Savoie, alias le prince de Venise, a changé de vie radicalement après avoir fait plusieurs apparitions à la télévision italienne et française. Animateur du télécrochet Un air de star sur M6 en 2013, Emmanuel Philibert de Savoie avait une nouvelle fois crevé l'écran dans l'émission de télé-réalité italienne Notti sugli Accio 3, l'équivalent de Skating with the Star Wise Show, l'année dernière. Mais voilà qu'Emmanuel Philibert de Savoie a décidé de se lancer dans un nouveau défi. L'héritier de la maison de Savoie a ouvert un food truck baptisé Prince of Venice en Californie. Il y a 6 mois, je suis venu à Los Angeles pour un événement et je me suis aperçu qu'il y avait partout des fourgons qui vendaient de la nourriture mexicaine et orientale. Mais j'ai aussi remarqué qu'aucun ne vendait des pâtes italiennes, expliquait-il au sujet de son changement de vie. C'est en collaborant avec le chef Mirko Paderno que le prince de Venise espère bien connaître le succès outre-Atlantique. J'ai baptisé mon food truck Prince of Venice, Prince de Venise, le titre de noblesse que mon grand-père, le roi Humbert II, m'a donné à ma naissance, a-t-il précisé dans les colonnes de l'hebdomadaire Italiaci. En septembre prochain, Emmanuel Philibert de Savoie fera circuler 2 autres fourgons. L'époux de Clotilde Courreau fourmille de projet. But there's all times through the rough times I